Amandine Pélissard, combien lui coûtent ses 8 enfants sans les allocations? Amandine Pélissard est désormais privée d'allocations. Elle a révélé combien ça lui coûtait réellement d'élever ses 8 enfants. Elle fait énormément parler d'elle en ce moment. Amandine Pélissard vient de démarrer une toute nouvelle activité plutôt lucrative et qui crée surtout la polémique. La mère de famille s'est inscrite sur la plateforme Mime. Cela lui permet de proposer du contenu de charme payant à ses fans. La toile est très divisée à ce sujet et certaines photos ont même fuité dernièrement. Une situation qui a mis la candidate de famille nombreuse, la vie XXL, très en colère. Car en effet, les rémunérations qu'elle semble percevoir pour cette activité semblent plutôt intéressantes. Et elle a tout intérêt à ce que cela reste sous contrôle. Avec l'abonnement, tu as accès à toutes les photos du mur mais les vidéos sont privées. On ajuste le prix en fonction de la demande, c'est à la carte. C'est un peu comme au restaurant. C'est très complet. On touche entre 60 et 150 euros par vidéo et une vingtaine d'euros pour les photos. C'est plus cher pour les photos plus poussées. A déclaré Amandine Pélissard sans langue de bois. Mais grâce à cette nouvelle source de revenus et au sponsoring sur les réseaux sociaux, le couple gagne désormais très bien sa vie. Et logiquement, il n'a plus accès aux allocations familiales. Pourtant, cela semble rester très onéreux pour les Pélissard d'élever leurs 8 enfants. Amandine Pélissard toujours contrainte de regarder les promotions dans un entretien accordé à Jérém Star, la mère de famille nombreuse a révélé que son panier de courses moyen s'élevait à 590 euros environ. Elle explique, chez nous, ils sont 8. Donc c'est un yaourt par enfant à chaque repas, parfois 2. Cela revient à 1, voire 2 packs de yaourts qui partent tous les jours. Crochet ouvrant, crochet fermant. La viande, c'est ce qui coûte le plus. Je suis obligée d'aviser en fonction des promotions. Malgré un confort financier certain, trouvée grâce à sa notoriété, Amandine Pélissard semble ne pas oublier qu'elle doit continuer à gérer son budget. Et ainsi rester une mère de famille responsable.